monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la série Get Fit With Me. Suite à ma vidéo What's in my bag, dans laquelle je vous disais que j'utilisais l'application FitZup pour faire du sport chez moi quand j'avais pas le temps d'aller à la salle, vous avez été hyper nombreuses à me laisser des commentaires et des snaps me demandant des renseignements sur cette appli et surtout que vous vouliez voir une séance. Alors pour essayer de satisfaire tout le monde, je vais diviser cette vidéo en deux parties. Dans la première, je vais vous donner de manière la plus complète mais concise possible tous les renseignements concernant FitZup, qu'est-ce que ça permet de faire, ce que j'en pense, si ça vaut le coup ou pas. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer un entraînement. Alors, même si je pense que vous connaissez pour la plupart, parce que c'est quand même une énorme appli, FitZup c'est une application de sport qui permet de faire des séances de sport personnalisées et adaptées à votre objectif. Donc il y a un programme gratuit et il y a un programme payant. J'ai commencé avec le gratuit et ils m'ont proposé de tester le payant et de vous en parler pour vous dire sincèrement ce que j'en pense. Alors quand on ouvre l'appli, on voit qu'elle se compose en 5 onglets. Le premier, c'est le blog où on peut trouver des articles concernant le sport, la nutrition, des conseils avant, après et tout. Le deuxième onglet, c'est programme avec des petites séances libres de sport. Le troisième, entraînement, c'est votre programme personnalisé. Le quatrième, ça va vous plaire, c'est social. C'est là où on peut chatter, vous pouvez m'envoyer des messages privés, je peux vous en envoyer, t'encourager mutuellement et je trouve ça hyper motivant. Donc si vous voulez m'ajouter et me parler, mon pseudo, bien sûr c'est Sleeping Beauty. Le cinquième onglet, c'est profil, votre petite photo, vos objectifs, où vous en êtes dans l'application. Alors dans la partie gratuite de l'application, vous avez droit à deux choses. Des échauffements et du renforcement musculaire. Donc vous n'avez pas la possibilité de choisir votre objectif, d'avoir un entraînement personnalisé, c'est vraiment des petites séances libres que vous pouvez faire comme ça. Donc voilà, perso je trouve ça bien pour commencer le gratuit, mais après c'est vrai que c'est beaucoup moins complet. Dans le programme payant, on commence en renseignant toutes ses données, donc son âge, sa taille, son poids, son sexe, son objectif. Alors là vous avez le droit de choisir entre 5 objectifs, vous allez en choisir un. Et il y a 45 niveaux pour chaque objectif. Et dans chaque niveau, il y a 6 à 9 entraînements. J'ai voulu comparer avec le prix d'une salle de sport en France, en moyenne, ça coûte 45 euros. Et là, l'application, elle est à 15 euros par mois. Et si on la prend en 6 mois d'un coup, ça la met à 60 euros. Et du coup, 10 euros par mois. 10 euros, c'est même pas le prix d'un top chez Zara. Alors moi, je trouve ça dingue qu'une appli aussi complète soit aussi accessible. Alors maintenant, je voulais vous expliquer un petit peu plus en détail les séances. Alors la première et la dernière séance de chaque niveau, c'est des séances d'évaluation. Et en fonction de cette performance que tu auras faite lors de l'évaluation, mais également en fonction des données que tu auras données avant ton âge, poids, taille, sexe, etc. Eh bien, l'application va te construire un programme vraiment personnalisé pour toi qui répond à ton objectif. C'est vraiment comme si on avait un coach. Et la dernière séance de chaque niveau, c'est aussi une séance d'évaluation qui va noter la progression que vous aurez fait entre la première séance et la dernière et qui va vous fournir un rapport très détaillé justement de votre progression. Et ça, je trouve ça hyper motivant. Ce sont des séances de 20 à 30 minutes qu'on peut faire vraiment n'importe où dans 2 mètres carrés. Et avant sa séance, on peut cocher 3 choses. Si on veut intégrer du cardio, si on veut intégrer des abdos et si on veut intégrer des étirements. Et ça rajoute un petit peu de temps à chaque fois à la séance. Donc comme vous l'aurez compris, il y a vraiment un coaching dans la partie entraînement. Mais vous pouvez aussi faire des séances libres. Donc ça c'est grâce à la partie programme et vous avez en plus accès à un guide nutritionnel avec des conseils, des recettes et vous avez aussi accès à une partie méditation avec des séances de 15-20 minutes. Donc les séances libres vous proposent 3 types d'exercices. Des focus, c'est des exercices pour cibler certaines parties du corps, ventre plat, fessiers, des petits exercices de 5 minutes. Le deuxième type d'exercice qui est proposé, c'est des challenges et j'adore cette partie. En gros, c'est l'application qui peut vous faire transpirer à fond et qui va vous proposer des challenges, par exemple, un certain nombre de squats, un certain nombre d'abdos. Et le troisième exercice de ces séances libres, c'est le stretching, dans lequel il y a carrément du yoga, des exercices pour gagner de la souplesse, des exercices pour s'étirer. Enfin bref, c'est pas qu'une appli de sport. Donc moi, je trouve ça hyper complet, je vais vous le dire honnêtement. Ça vaut vraiment le coup. Quand on va à la salle, on n'est pas tout le temps motivé, on ne sait pas trop quoi faire dans la salle. Alors que là, on a l'entraînement personnalisé et ça coûte moins cher que si on paye la salle. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo où je m'entraîne devant vous. Donc je vais vous montrer des exercices types d'un entraînement personnalisé. C'est
cigarettes on cigarettes. My mama think I stink. I got burn holes in my memories. My homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I think we all addicted. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I got some on my mind. I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either, you can't even fly. I spy with my little eye a girly I can get, cause she don't get too many likes. A curly-headed cutie I could turn into my wife. Wait, that means forever, ever, hold up, never mind. I want you to want me, but you just wanna love me for the day. And I can't just walk away.
together for a few years. Shed a few tears, called each other nickname like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want. Some time. I can't open up your mind.